Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans la dernière rencontre de ce match fou entre les AFK Gaming et les Cloud9 G2A. Dans la première manche, les AFK Gaming ont réussi à s'imposer, mais c'était ultra tendu. Les deux équipes se sont très très bien battues, mais on a réussi à donner des kills à Cyclone et il a pu carry la game. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. Toute l'équipe était au service de Cyclone et Cyclone n'a pas déçu. Il est allé chercher le deuxième pentakill en LAN de Smite. Le premier avait été réalisé au tournoi de lancement il y a plus d'un an et demi. Le deuxième penta en LAN, on vient de le voir, c'est un penta Dao Kong joué par Cyclone Spin, le solo laner des AFK Gaming. C'est plutôt rare, j'espère que vous avez apprécié ce penta car il n'y en a pas souvent. Allez, on part tout de suite donc dans les Pikeman de la deuxième manche entre les Cloud9 G2A et les AFK Gaming. Et on est parti dans les pick et ban entre les Cloud9 G2A qui seront une nouvelle fois en bleu et les AFK Gaming qui seront en rouge. On va voir vers quoi va s'orienter leur ban. Est-ce qu'ils vont ban le Haokong de Cyclone? Est-ce qu'ils vont ban les mêmes picks dans la game précédente? Oui, ils bannent la Haokong de Cyclone assez logiquement. Bon, c'est Elmorar, un dieu qui fait un penta, qui décide de lui retirer. Il a vraiment fait le café avec, et pourtant, Jeff Hindla avait Gabe. Alors imaginez avec un Sylvanus, et ça aurait été le Gabe pour Incon, ça aurait été encore plus dur, je pense, car le Stone Shield est très très fort pour gérer les assassins comme ça, mais ça n'a pas suffi dans la game numéro 1, donc il préfère aller retirer ce pick-là possible pour Cyclone. Et on verra ensuite, on ban Janus du côté des AFK pour ne pas le laisser à MSS6. Derrière on ban Bellona, deux picks qui sont joués par Cyclone. Après Bellona peut être aussi joué en jungle. Et on finit par un ban Thor de Undinster. Qu'est-ce qu'on va décider de faire ce pick? Est-ce qu'on va reprendre l'Isis de Kiki pour ne pas le lui laisser? Oui, on part là-dessus. On laissera pas Isis aux AFK Gaming. Alors il y a Athéna qui est disponible, il y a Serket. Il y a plein de choses disponibles, il y a Poséidon, il y a la Nuwa de Kiki, il y a Medusa, il y a Chibalanké, il y a Gabe, il y a Sylvanus. Quel va être leur choix aux AFK Gaming? C'est un pick Athéna, mais est-ce que c'est une Athéna support? On sait. Non, ça ne sera pas une Athéna support, puisqu'on a un Sylvanus récupéré pour Incon. Donc une nouvelle fois, on va prendre un Gabe du côté de Jeff Hindla, c'est sûr. Donc Athéna, elle peut être jouée sur la mid lane, Kiki l'a déjà fait, elle peut être jouée en jungle. Weekend l'a déjà fait, et elle peut être jouée en solo par Cyclone. Bon, c'est le même draft. C'est le même draft. On a juste remplacé le Odin par l'Athéna pour le moment. Un Sylvanus Medusa en duo lane contre un Chibalanké Gep. C'est la même chose que la game précédente. On ban derrière le Hades d'Omega. Et les Cloud9 vont-ils ban la Nuwa? Non. Ils ban Fenrir. Donc le même pick que dans la game précédente, je crois. On retire encore un pick de Winken ou de Cyclone. Les deux sont capables de le jouer d'ailleurs. Les AFK Gaming vont peut-être nous donner une information ici sur où sera présente cette Athéna. Pour le moment, on est sûr, elle ne sera pas jouée en gardien, puisqu'on a un Sylvanus, mais elle peut être encore jouée sur trois autres positions. Donc, qu'est-ce qu'ils vont décider de prendre maintenant, les AFK Gaming? Ils hésitent, a priori. Et ça sera une Nuwa pour Kiki Socheki, donc il repart sur le même pick. Ça sera une nouvelle fois un match-up Isis-Nuwa. Et pour le moment, donc ça ne sera pas une Athéna mid comme il avait pu le faire en finale du split de printemps contre les TSM. Chez les Cloud9, il leur manque leurs deux picks, le pick d'Omega et le pick d'Undinster. Alors Serket est toujours disponible. On peut également prendre un Unbats. C'est un bon perso en teamfight. Et ça sera un Sobek. Sobek sans doute solo lane pour Omega. Et Awilix jungle pour Undinster. Donc une composition intéressante. On a du knock-up sur la Shockwave, sur le 1 de Sobek, sur le 2 de Sobek. On peut utiliser le Gravity Surge grâce à ça. Mais après, on n'a plus le combo burst d'Undinster. Bon, qui n'est pas forcément beaucoup passé dans la game numéro 1. Donc on décide de ne pas repartir là-dessus. Ça va être compliqué. Moi, pas un grand fan du draft des Cloud9. Je pense que ça manque un petit peu de burst dégâts. On a beaucoup de contrôle. On a Ultimate de Balanque, la Shockwave, le Cataclysme, le 2 de Sobek, le 1 de Sobek.
le Moonlight Charge de Dawilix, mais c'est pas forcément simple à placer. Oh là 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 là! Cyclone qui part sur un Bakasura, un perso qu'on voit plus du tout. Ça doit faire un ou deux mois que je n'ai pas vu de Bakasura en scène compétitive. C'est vrai qu'il a été nerf sur son Regurgicate. Les minions qu'il fait apparaître font 5 de dégâts en moins. Et c'est violent, hein. C'est violent pour la transition niveau 5. Avant, Bakasura pouvait vous défoncer, hein, si vous ne faisiez pas gaffe à la transition niveau 5. C'est un peu moins le cas maintenant. Donc c'est un perso qui a du mal à se feed. Et donc forcément, vu que c'est un perso qui est un perso qui doit se feed pour pouvoir carry la game, c'est pour ça qu'il est moins vu. Mais dans les mains de Cyclone, ça fait très très peur. Peut-être le troisième pentakill de l'histoire en LAN, puisqu'il y a eu seulement deux pentakills. La première fois, c'était lors du tournoi de lancement de Smite par Game Hunter il y a très très longtemps. C'était en mars de l'année dernière, un truc comme ça. Donc oui, c'est ça, mars, je me rappelle plus exactement quel mois c'était. Bon, c'était il y a quasiment un an et demi. Et le deuxième penta, c'était juste avant, de la part de Cyclone avec Aokong. Donc il y a quand même peu de penta dans Smite. C'est un des reproches que je ferai au jeu, hein, c'est quand le temps pour faire un penta est vraiment très très court. Ce qui fait que deux pentas en un an et demi, bon, il pourrait rallonger un peu la durée. Ça donnerait peut-être un petit peu plus de spectacle et des gros moves. Et les gros moves, c'est généralement ce qui donne parfois envie à des gens de venir sur un jeu. Hein. Quand vous avez de belles actions et que vous voyez des penta kills, il y a des gens qui aiment ce genre de moves. Et c'est vrai que ça peut donner. Ça peut aider pour la notoriété d'un jeu. Donc voilà, si j'ai un petit conseil à Irez à donner, c'est d'augmenter de la durée pour faire un penta, de peut-être 10 secondes à chaque fois que vous faites un kill de plus, parce que c'est vrai que c'est vraiment très très difficile d'avoir un penta dans Smite. On est parti donc dans la deuxième manche du match qui oppose les Cloud9 G2A qui seront en bleu et les AFK Gaming qui seront en rouge. Du côté des Cloud9, on aura Omega en solo lane qui jouera Sobek, Undinster en jungle qui jouera Awilix, MSSI sur la mid lane avec Isis, Jeff Hindla en support qui jouera Geb et enfin Barracuda qui jouera Shibalanke en Hunter. Du côté des AFK, vous voyez une pause mis par Incon. Bon, c'est en LAN, donc forcément, ça va pas durer longtemps, je pense. Ils vont trouver la solution. Donc, Incon, hein, le support emblématique des AFK Gaming, qui a un problème technique avec leur super clavier ultra lumineux. Et en face, on a les Cloud9 G2A, avec Barracuda à droite, Jeff Hindla à gauche de Barracuda, ensuite MSS6, ensuite Undinster et ensuite Omega. Et on va repartir donc dans la game. Sans doute, ça a l'air d'être solutionné. Et on est reparti. Donc je disais, chez les AFK, on aura Cyclone Spin en solo lane qui jouera Bakasura, Weekend en jungle avec Athena, Kiki Sucheki sur la mid lane avec Nuwa, Incon en gardien qui jouera Sylvanus et qui supportera Allied qui est parti avec sa Medusa chérie, parce que c'est vrai qu'il joue principalement que ça depuis 2-3 semaines qu'on commande. Je crois qu'à chaque fois c'était Medusa et de temps en temps, peut-être une fois dans les 3-4 dernières semaines, il a joué Balank. Avec le starter qui devient de plus en plus classique, Transcendance rang 2 avec plus de potions. Alors c'est pas facile au début de la partie, me disait Iron qui a testé ce build là. Mais après, une fois qu'on a la transcendance, on est content quoi. On est content, on a plus de problème de mana, on peut vraiment spammer. Après, ça peut pas se faire sur tous les hunters, hein. Sur Chibalanke et sur Medusa, ça peut se comprendre. On a fait les back harpy. On en a fait 3 sur 4, parce que 4 sur 3 c'est difficile. Et on va arriver sur la solo. Ça permet à Undinster de quitter directement la solo lane. Et Omega qui est un peu obligé de laisser les sbires aller sous tour, sinon on va prendre des coups là. Attention quand même, à phase de lane contre un Bakasura, c'est pas forcément facile, surtout quand il a l'avantage du push, mais normalement ça devrait se rééquilibrer. Baka n'est pas le meilleur des pushers du jeu. La Spirit Ball qui passe derrière le Feather Step et Weekend qui est obligé de partir parce que là il a pris très cher. Attention à Willix, Isis, ça burst. C'est un très bon combo en early. Et derrière les mids. Ah, ils n'avaient pas été faits les mids. Mais malheureusement, c'est les seuls qui n'ont pas été faits. Les Bakarpi sur lesquels ils se dirigeaient. J'allais dire les mids, mais vous allez m'excuser. C'est la 6ème game que je commence aujourd'hui. Et quasiment toutes les games aujourd'hui ont duré entre 40 et 50 minutes. Donc c'était plutôt long. Weekend qui va fuir avec le dash.
très bon stun qui a été mis par Nuwa pour protéger Athéna, mais on sent que c'est pas facile là pour Weekend. On va aller counter finalement ces Bakarpi. On se dit qu'elles vont soit elles sont là, soit elles vont repop dans très très peu de temps. Et vu comment ils étaient arrivés sur la solo, ils savent que Weekend et Cyclone n'étaient pas passés sur les Bakarpi. Pourtant c'est fort hein, un Baka quand on veut faire les Bakarpi au début de la partie, grâce à son hit mignon. Le Wingust, on essaye de dépush. Et on va ensuite aller faire ses propres Bakarpi pour passer niveau 5. Donc là, les Cloud9 sur la mid lane, en tout cas, ont pris l'ascendant. Derrière Sobek qui dash, qui knock up Cyclone. Cyclone qui prend l'aggro des creeps. Il a pris de bons dégâts. Il est niveau 4 alors qu'Omega, lui, est niveau 5. Ça a aidé de faire les Bakarpi au début de la partie. Et ça permet à Sobek d'être devant son vis-à-vis. Il essaye de mettre la pression. Il prend un coup de tour. Attention, parce que le hit mignon, c'est quand même le deuxième sort qu'on max sur un Baka. Après avoir maxé votre 3. Et donc, voilà, il devrait normalement tenir le match-up. Hein, Baka, pour le moment, je pense qu'Omega est devant. Surtout quand, avec son niveau 5, alors que Cyclone ne l'a pas encore. Et on met la pression. Les Bidarpi vont apparaître dans une dizaine de secondes. La duo line des AFK a déjà bougé. Il va falloir qu'il se speed. Bakasura qui arrive dans le dos. Barracuda qui arrive dans le dos, pardon. La Shockwave. Derrière le Moonlight Charge. L'arrivée de Barracuda. Putain, j'y arriverai pas. Là, c'est la game de trop, je pense. On met la pression. Le défendeur off Olympus qui va faire très mal. Oh là là, le défendeur Olympus qui fait très mal et qui permet de prendre le first blood sur Jeffinda. Et derrière, le Shard of Ice qui fait très mal. Oh là 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 là. Le gros combo ici réalisé par Athéna et Incon. Oh là 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 là. 2-1. On a quand même réussi à prendre un kill sur Allied. Donc finalement, c'est un trade qui reste rentable pour les AFK Gaming qui foncent sur les mythes de droite. Omega peut pas vraiment les contester. Omega, il se fait route. Le dash. Le compte fondre. Et derrière, il est dans le cripple. Est-ce qu'il va pouvoir s'enfuir? Il se fait body block. Oh là là, c'est dur pour Omega. Mais une nouvelle fois, le bon stun shield de Jeffinda qui arrive à la rescousse de son solo laner. Ça finira donc par un 2 pour 1 en faveur des AFK. Et je crois que toutes les mid-harpies ont été chopées par les AFK Gaming. Quoique, je pense pas. Je pense que ça a été une mid-harpie de chaque côté. Parce qu'il y a finalement très peu d'écart entre les deux équipes. 400 d'écart de goal. Alors les kills ont été mis sur Athéna, 1-0-1. Et l'autre sur Incon, a pris son kill, alors que Allied est mort lui, et du côté des Cloud9, c'est Sobek qui a pris le kill. Et on part en rollout, on va aller faire le buff de vitesse de déplacement d'Undinster, et ensuite on va enchaîner sur le buff bleu d'Omega qui va repop dans quelques secondes. Les sbires qui vont sous tour, là on perd des gold, donc on fait les sbires archers, on fonce, on les fait rapidement. Tandis que Barracuda faisait les back harpy tout seul. Derrière, il perd du farm sur la duo. Incon qui ward. Une ward à la gold. Une ward dans le coin. Le compte fond, le circle of protection. Oh, il a pris très très cher. Heureusement que l'ultimate de Nuwa fait pas encore très mal. Parce que là, ça servira à rien de le claquer. Il ne pourrait pas tuer MSS6. Et MSS6 qui veut aller faire ses Bakarpi. Et derrière, ça a créé une supériorité numérique autour de la gold. Omega qui décale. Et ils vont directement enchaîner sur une tentative de Gold Fury. Ou est-ce qu'ils vont essayer de catch Jeffinda? Non, ils font la gold. Le compte fonde sur deux personnes. Derrière le route qui ne passe pas. Jeffinda kick dock up tout le monde. L'arrivée d'Omega qui va essayer de stun Sobek. Voilà, ça passe. Omega qui prend de bons dégâts. Qui force le combo sur Allied. Allied qui utilise son lacerate. Derrière l'arrivée du défendeur off Olympus, le Shard of Ice de Nuwa. Oh, bien joué de la part de Nister qui prend un kill avec son Feather Step. Et derrière, Bakasura qui décale que maintenant. Ah, c'est un mauvais décal de Cyclone. Il arrive un petit peu tard. Est-ce qu'il va pouvoir prendre un kill là-dessus? Non. Ça permet au Cloud9 de prendre un deuxième kill sur Allied. Ils sont en train de mettre au fond le Hunter des AFK Gaming, très clairement. Et Cyclone, là, qui n'a pas décalé. Alors, ça lui permet forcément de rattraper son retard, de se mettre bien, d'être quasiment niveau 9. Mais Omega a participé au kill. Les mid-harpy, oh, il y en a peut-être une qui a été récupérée par MSSI, je ne sais pas. Mais derrière, il y a une code qui a claqué, Saog.
Derrière, on met du gros DPS, le Regurgicate pour temporiser, mais ça ne suffira pas. MSS6 qui prend le kill et Cyclone qui n'arrivera pas à renverser Steamfight. 3-2, les Clone9 vont pouvoir tenter une Gold Fury. Ils ont réussi à tuer Incon. La Gold Fury est donc plus facilement faisable. Circle of Protection, ils vont essayer de tout mettre. C'est dur, ils sont obligés de lâcher l'aggro, mais il y a Omega qui arrive. Attention à l'Hyde qui ramène le Gravity Surge. Ah, le Lacerate, il se fait poursuivre. Ça va tenir pour Allied. Il ne mourra pas une troisième fois dans cette game. Le pauvre, pour le moment, il se fait hyper focus. Omega qui tiendra également. Il se prend le Shining Metal, mais ça, pour le moment, il peut tenir les dégâts. Weaken qui reprend le contrôle de l'objectif, j'ai l'impression. Est-ce qu'ils vont le tenter? Undinster a quasiment plus de mana, c'est une information importante. Est-ce que ça a passé cet objectif? Ah là, il doit tanker pour le moment la Gold Fury. Oh là 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 là, les Cloud9 qui sont complètement hors de position et ça passe pour les AFK Gaming. Ah là 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 là, c'est dur pour les Cloud9 qui étaient revenus dans cette game et qui malheureusement là cèdent une nouvelle fois un objectif important. On fait les backerpies de droite, Omega qui est allé push. Qui va pouvoir mettre la pression sur la tour. Non, il y a Weekend qui décale. Forcément, maintenant, le jungler n'a plus aucun scrupule pour aller sur la solo. Une fois que vous avez fait tomber la Gold Fury, vous pouvez essayer de mettre la pression. Donc là, on a Omega qui empêche Weekend d'aller sur l'objectif pour prendre les golds. Et un Dinster qui cherche une opportunité de gang. Donc on est à 1-1-1 sur MSS6, 0-0-3 sur Barracuda, 1-0-1 sur Sobek, 1-0-2 sur Awilix. Ah oui, c'est parti, Tabit Guerrier qui va enchaîner sur une colère de Jotun sans doute. Sur Athéna, on fait botte de concentration et on va partir sur une maille mystique, j'ai l'impression, en deuxième objet. Le route qui passe, mais derrière, il faut placer le grab. Non, c'est bon, il y a la shockwave. On protège Barracuda. Omega qui retourne en lane, qui est parti botte de mage et plastron de valeur. Il a fait la marque de l'avant-garde du côté de son Sobek pour pouvoir tenir justement les dégâts de Bakasura sur son Regurgicate et même sur ses dégâts de base. Incon qui meurt, le Petrify et Barracuda qui réussit à s'enfuir. La duo lane à l'heure actuelle des AFK Gaming qui est complètement au fond. 2 kills pris sur Allied, 2 kills pris sur Incon. Voilà, c'est vraiment la Gold Fury qui permet aux AFK Gaming d'être devant. Par contre, sur la duo lane, il va peut-être falloir donner un petit coup de main du côté de Weekend, car ça souffre beaucoup. Regardez, l'écart de gold est grand, 1200, mais l'écart d'expérience, c'est que dalle, grâce aux 2 kills de plus faits par les Cloud9. Le dash qui ne passe pas sur Athéna, qui a dash également. On est à 9 minutes 20, les mid-arpi qui sont en désynchronisés, celles de gauche qui apparaissent bien avant, qui sont récupérées par les Cloud9, ça leur permet de rattraper un petit peu leur retard. Encore une game ultra tendue entre ces deux équipes, mais ça on pouvait s'y attendre avec Omega hein, qui dépush plus vite qu'un Bakasura. Et on va directement continuer de farm du côté de MSS6, on est niveau 10. On est mort une fois. Kiki n'est pas encore mort, mais il n'a pas de kill. Côte Midgardian finalement fait par Athéna. D'accord, donc il fait la même itemisation que sur Odin. Vraiment 100% défensif hein, du côté de Weekend. Deux fois deux games d'affilée. Son solo laner et l'assassin qui est d'habitude fait en haut. Le défendeur en plus le jump. Undister qui utilise Suku. Omega qui va s'enfuir avec son ulti. Attention parce qu'à la remontée, il va se faire contrôle. Non, il décide de pas le contrôle finalement. C'est ultra tendu là. Ça s'est pas joué à grand chose. Heureusement qu'Awilix a son 1 pour fuir. Parce que là, le combo avec le défendeur en fond la puce d'Athéna. Bakasura qui met une grosse pression sur Omega. Omega qui a décidé de rester. Est-ce qu'il va essayer de le tuer sous tour? Oui. Oh, le stun shield! Oh là là, le flash stun shield de la part de Jeff Lindla qui sauve son solo laner. Les derrière le cataclysme, il met la pression à Weekend. Derrière le flash, Lincoln, le Race of Terra. Omega est peut-être resté là trop longtemps. Il va se faire finir par le shield wall. Ah là là, Omega, peut-être essayer de jouer au plus malin là. Ah, c'est pourtant un vieux briscard, un des joueurs les plus vieux de la scène. Et là, il vient de se faire jambon parce qu'il a voulu essayer de jouer au plus malin. Et ça donne un troisième kill pour les AFK Gaming. Et ça leur permet de consolider l'avance et de donner une assist à Cyclone qui pour le moment était à 0-0-1.
Et là, ils mettent une grosse pression à Jeff Hindla. Force à back. Derrière, Barracuda qui met la pression sur Allied. Il a un level d'avance. Il fait tomber la T1. C'est une game un petit peu plus mouvementée que la game numéro 1. On est sur 7 kills. On a déjà une T1 de tombée. Ça hésite pas à fight. C'est une game qui part sur une bonne allure. Même si, pour moi, hein, les Cloud9 sont derrière pour le moment dans cette game. J'aimerais bien, pour la LAN d'été, j'aimerais bien un partout entre ces deux équipes. Parce que ça signifierait qu'aucune des deux équipes n'a pris le dessus. Et que donc, psychologiquement, il n'y aura pas vraiment de dessus pris par les matchs qui seront passés avant la LAN d'été. Omega qui prend le jump de Bakasura fait extrêmement mal. Il faut savoir que vous pouvez l'utiliser aussi pour DPS, mais c'est plutôt un sort pour fuir ou pour rentrer dans le fight. Enfin, pour fuir généralement, parce que c'est dangereux d'utiliser le jump en offensif pour derrière n'avoir plus rien. Mais c'est un sort qui fait extrêmement mal. Il a un ratio de dégâts assez infect, ce sort. Et derrière, les mid-harpy de gauche. On est positionné du côté des Cloud9. On met la Shockwave. Ça permet de temporiser un petit peu. On récupère l'objectif. Bien joué. Et les Cloud9 qui ne se laissent pas faire. Ils ont 1000 gold de retard. Mais derrière, Bakasura qui fait tomber la première tour. Le dash pour suivre le jump. On voit que c'est exactement la même portée. Exactement la même portée de jump. Barracuda qui commence la goal. Mais c'est pour permettre à Jeff Hinda de prendre la ward. Oh là là, MSS6 qui prend très très cher. Ils jouent avec le feu, les Cloud9. Attention de ne pas se brûler. Et là, c'est un peu la même chose qui s'est passée tout à l'heure. Parce que MSS6 est obligé de back. Omega est cette fois-ci suivi par Cyclone. On est en supériorité numérique, forcément, du côté des AFK Gaming. Oh là 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 là. MSS6 qui n'est pas là encore. Faut que son équipe arrive à se battre à 4 contre 5. Omega fait un gros travail là-bas. Il gagne du temps. La Gold Fury qui a été reset. Et MSS6 qui est en train d'arriver. C'est maintenant les AFK Gaming qui sont plus en difficulté maintenant. Car il y a Isis qui est de retour avec son stuff. Après on met le Wisp. Ça va permettre de régénérer tout le monde. Alai qui décide quand même de faire l'objectif. Sachant que tous les Cloud9 sont dans les parages. Il va bien falloir y aller du côté des Cloud9. Omega prend cher. Le Circle of Protection. Il est mis. On va permettre de sustain. Après on n'a pas mis beaucoup de dégâts. Omega qui va. Oh, l'ultimate d'Omega qui fait très mal. Il va essayer d'aller chercher sur Allied. Derrière le flash cataclysme de Jeff Hinda. Le Race of Terra. Undinster qui est en train de fight contre Weekend. On se retourne. Le Gravity Surge d'arrivée de Baka. Qui met le Regurgicate. Est-ce qu'il va pouvoir carry Cyclone? Il prend un kill. Il va aller chercher un deuxième kill. Deuxième kill de Cyclone, double kill, et une nouvelle fois, Cyclone ingérable, qui est en train de faire le café pour son équipe. Tous les AFK Gaming sont encore vivants, et c'est Barracuda qui va prendre cher maintenant. Le dash, le jump de Cyclone, triple kill, mais il va nous faire des pintas à toutes les games. C'est un double kill, mais là ça devrait être un quadra. Oh là là, ça pourrait être un pinta, mais augmenter la durée, mon dieu, c'est pas possible. Oh là là, il fait un doublé, un triplé, c'est un pentakill, deux pentakills. Oh là là, qu'est-ce que ça aurait été beau dans l'histoire. Oh là là, on retiendra pas ces deux pentakills parce qu'ils ne comptent pas. Oh là là, dommage. Dommage pour Cyclone. Oh là là, ça compte pas comme un penta, c'est un pentakill non officiel. Augmenter cette durée, mon dieu. Oh là là là. Désolé, je suis un peu dur là, envers Ayres, mais c'est vrai que c'est quand même triste, hein, de ne pas pouvoir faire de printa parce que la durée entre les kills doit vraiment être très courte. Là, il a pourtant bien joué, il pouvait pas faire mieux. Forcément, à niveau pro, les gens ils vont pas se donner parce que tu as fait un triple, ils vont pas se donner les deux autres. Je te donne mon numéro, je me laisse mourir. Alors forcément, ils essayent de survivre, donc forcément, c'est très difficile d'en faire des printas à niveau pro. Rah. Cyclone qui est quand même extraordinaire, hein. Il fait gagner les AFK quasiment à lui tout seul. C'est l'impression que ça donne, même si là, dans ce fight-là, c'est le cas. Dans le premier pentakill qu'il fait dans la game précédente, il est quand même bien aidé de son équipe, qui temporise, qui lui laisse le temps d'entrer dans le fight au bon moment. Et ça, forcément, faut avoir des mates solides quand même pour pouvoir se permettre de faire ça. 8-4 dans cette game, alors forcément ils viennent de snowball, 4000 gold d'avance, Omega qui peut pas tanker, hein. Et là il tank pas, faut qu'il fasse attention, le stun shield, il se fait route, il prend cher, il a été forcé du tir parce qu'il se doutait que derrière il pouvait prendre très cher.
Cyclone qui est dans le dos, Cyclone qui a bien envie d'y aller, le Flash, Race of Terra, Cyclone qui rentre dans le bain au bon moment et qui tue MSS6 et qui va tuer Jeff Hindla. Oh là 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 là, Alai qui prend le kill, le Gravity Surge sur Bakasura qui venait de jump. Mais regarde, regarde, Cyclone en a rien à foutre, des dégâts donne 2 à Willix parce qu'il la défonce après s'être fait ramener. Oh là 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 là, c'est dur pour les Cloud9 qui sont en train de se faire stomp à cause d'une erreur de positionnement pendant que Barracuda, lui, essaye de faire tomber des objectifs. Il force le TP de Bakasura. Et derrière, il va peut-être mourir. Non, non, il tient. Il tient encore. Il tient. Il a l'Asie. Donc, quand il est assez low, il peut essayer de chercher le trade contre Bakasura. Ils vont essayer de l'aller le chercher. Cyclone qui chase. Barracuda qui sait qu'il est suivi par Bakasura. Et il y a Weekend qui arrive. Il arrive à une autre terre, une autre tour. Il va essayer de la faire tomber. Non, il essaye de fuir. Il essaye de fuir, il essaye de gagner du temps. Le problème, c'est que son équipe n'en font rien, en fait. De ce temps gagné, il n'y a rien à faire. Hein. La Gofury n'est pas là. Donc, il n'y a rien à en faire, malheureusement. Il a fait tomber une T1 et une T2. Donc, ça permet au Cloud9 de récupérer pas mal de retard. Quoique, vous voyez, on est resté à peu près sur la même chose. Puisque pendant ce temps-là, les AFK Gaming ont fait tomber la T2 de la mid lane. Ah, c'est pas une game du même genre que la première. On sent que les AFK Gaming la dominent plus facilement que dans la première game. On a eu un gros taf de Cyclone, un pentakill non compté. Mais ça restera un pentakill dans nos cœurs. et voilà. J'ai dit ma connerie, maintenant c'est bon, je peux repartir dans le sérieux. Athéna qui fait moissonneur, troisième objet. Weekend qui a vraiment envie de stomp cette game. Assez rapidement. Et ça permet de faire très très mal à Geb et à Sobek. Et en fait d'empêcher finalement Sobek de tanker. Parce qu'il n'a pas de résistance, hein, le Sobek. Là il a juste le plastron de valeur, c'est peu en résistance. Undinster est parti sur un exécuteur. Quatrième objet sur troisième objet sur son Awix, c'est très rare. Généralement sur Awix, on voit plutôt des transcendances en troisième objet. Mais c'est vrai que là, est-ce qu'il aura le temps de stacker? Est-ce qu'ils n'auront pas perdu avant? Avec le travail que Cyclone fait dans cette game, qui est parti sur l'optimisation à l'Axalia entre guillemets, donc High Cheval, Tapis de Guerrier, Exécuteur, Arc de l'Odyssée. Voilà, vous avez votre corps item sur Baka. Derrière, vous pouvez faire soit une robe spirituelle, soit une bénédiction des mages, soit un rage si vous avez vraiment envie de face roll et de faire extrêmement mal en plus d'avoir du crit. Le jump de Cyclone. Omega qui est obligé de partir, de fuir. Il s'est pris le proc du moissonneur, ça fait mal. On lui cancelle son back. Derrière, Barracuda. Oh là là, il réussit à. Il se prend. Incon a raté son gramme, mais pas de beaucoup. Ça a failli faire mouche. On fait tomber la T1, on fait tomber la T2. Ouais, c'est pas du tout la même optique de game. J'ai l'impression que les Cloud9 laissent un petit peu tomber. Ils sentent que les AFK Gaming, aujourd'hui, en tout cas, sont plus forts qu'eux. 9000 d'XP d'écart, 7600 gold. Bakasura qui réussit à prendre son kill avant peut-être de mourir. Non, il se fait défendeur au Olympus. Il fonce sur les creeps pour utiliser son Regurgicate. Le cataclysme est esquivé de justesse. Derrière, on va se retourner sur Athéna. Mais elle est quand même relativement tanky. Après, elle n'a pas trop de résistance magique. Et c'est les trois dieux qui la frappent sont des dieux qui font des dégâts magiques. Donc c'est plutôt pas mal. Le dash, le flash, la Spirit Ball, la max range qui ne suffit pas pour la tuer. Et MSS6, malheureusement, va se faire tuer par Incon. L'arrivée de Cyclone. Le Petrify pour slow. Et derrière, il faut le contrôler avant. Ah, dommage. Il a récupéré son rollout. Maintenant, c'est... Oh là là, Barracuda qui meurt. Jeff Hinda qui s'en sort. Omega qui est un petit peu seul contre tous. Il fait de bons dégâts. Mais ça ne suffit pas pour tuer Allied. Ah là là, 14 à 4 dans cette game. Et déjà, quasiment 9000 gold d'écart. Cyclone qui continue de farm. 7-0-4. Il est sur 11 des 14 kills de son équipe. Oh là là, c'est dur. Et ça va être une Gulfury. Undinster ne va pas la défendre a priori, ni Jeff Hindla. Alors ils imaginaient peut-être une tentative de fire, mais c'est pas possible. Il y a Weekend qui vaille au grain. Et voilà, l'écart de gold vient de passer les 10 000. Cyclone qui récupère un damage, il prend tout. Hein. Toute son équipe sont au service de Cyclone. Il a fait deux pentakills en deux games.
Voilà, là on a très bien compris que le problème dans enfin le problème pour les équipes qui jouent contre AFK Gaming, c'est Cyclone. Donc il va falloir qu'ils trouvent une solution avant la LAN qui aura lieu dans 3 semaines. Donc il y a le temps. 3 semaines, pratiquement 4, donc il y aura le temps pour essayer de trouver une solution pour gérer Cyclone. Mais là, ils n'ont pas réussi, les Cloud9, les anciens, enfin les anciens, les champions du monde de Smite, en tout cas jusqu'au final de saison 2. Et Kiki qui est parti sur le même stuff que dans la game précédente, pièce de Pythagore, botte de mage, lance de mage, d'accord? Donc il fait pas cette itemisation parce qu'il avait un Aokong, il fait ça même quand il n'a pas d'Aokong dans son équipe, pour son Athena jungle. Les AFK Gaming récupèrent le Fire, Barracuda qui a pris très cher, on va mettre des dégâts à Weekend qui se retrouve en infériorité numérique, il va mourir, mais derrière c'est compliqué, les AFK Gaming vont pouvoir push. Alors il back, il temporise un petit peu. 22 minutes de jeu, 14 à 5, quasiment 3 fois plus de kills dans les mains des AFK Gaming. On est largement devant en stuff. On va faire un marteau de givre, d'accord. Donc sur Bakasura, un objet qui lui permet d'augmenter ses PV, mais pas ses résistances, et d'avoir du slow sur ses attaques de base. C'est vrai que c'est quasiment obligatoire pour pouvoir tuer un perso tanky. Pour tuer un perso fragile, vous n'en avez pas forcément besoin. Mais c'est vrai que quand vous voulez jouer un tanky, si vous n'avez pas de sprint ou de marteau de givre, vous aurez du mal à le tuer avec un Baka. Et Baka qui face roll et qui prend un kill. Derrière, Cyclone se fait hard focus, il va sans doute mourir. Non, il a eu le temps de manger un minion, mais c'est incroyable. Il y en avait un qui restait. Derrière, Alight prend le kill. Double kill de Alight sur Sobek. Alight qui aimerait bien rééquilibrer ses stats. Triple kill de Alight. Voilà, ça permet de rééquilibrer les stats sur Alight qui était en négatif au début de la partie. Maintenant, il finira à 5-2-6. Et là, je pense que les AFK Gaming vont clôturer cette game. Très belle game des AFK Gaming qui remportent donc 2-0 contre les Cloud9 G2A. C'était un match ultra tendu. J'aurais pensé que les Cloud9 pourraient prendre une manche aux AFK Gaming, mais ils prouvent ici qu'ils sont exceptionnels. Très bien joué de la part des AFK Gaming qui remportent donc ce BO2 2-0 contre les Cloud9 G2A. Ils ont vraiment très très bien joué et les champions du monde se sont fait battre par les champions de printemps. Très bien joué de la part des AFK Gaming quand je pense qu'ils avaient été invaincus, les Cloud9. Ils n'arrivaient pas du tout à gagner les anciens AFK Gaming contre Cloud9, enfin contre ancien Cognitive Prime et ancien Cognitive Red. Mais là, depuis ce début de saison, ils sont vraiment on fire. Très bien joué de la part des AFK, donc, qui s'imposent 2-0 contre les Cloud9 G2A, champions du monde saison 1 de Smite. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite.